Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Ah! Ce que je viens de voir, mes frères et sœurs, ça m'a étonné ce matin, ça m'a surpris. Depuis que je suis là en train de regarder ça, je me dis, mais waouh! Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben là, on a du boulot. Une fille sud-africaine va aimer une star. Et son amour pour cette star va aller loin. Au point où elle va décider de lui faire une chanson. Et sa chanson va faire le buzz sur Internet. Même en ce moment, je suis en train de vous parler. C'est ce qui est en train de se passer. Voici ce qui fait le buzz. Et sa chanson qu'elle va écrire pour la star, ça va tellement toucher les gens que les gens vont même décider de faire un challenge avec sa chanson. De bouche à oreille, ça va entrer dans l'oreille de sa star. Et sa star va lui faire une surprise. Parce que la fille, waouh, elle est extraordinaire. Et moi, j'aimerais vous expliquer certaines choses. Ah! Mes frères et sœurs, vous allez comprendre pourquoi je veux vous montrer ça. Vous serez même surpris. Allons au studio. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. C'est parti. Vous pouvez également partager cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Et que votre famille se porte à merveille. Ce que nous allons voir maintenant est rempli de couleurs, rempli de joie. C'est extraordinaire. Aujourd'hui est samedi. C'est vrai, tout à l'heure, on va manger du vrai poulet qui nous attend. Mais avant de commencer, il faut d'abord vous montrer ça. Parce que c'est joli. Regardez ça. Ah! Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais l'amour que certaines personnes ont pour les stars, ça déborde l'entendement. Et ça se demande parce que vous voyez là, qui est caché derrière, quel est le véritable visage de cette personne. Regardez, cette personne est là et c'est une star. Waouh, une personne qui l'aime ou qui l'a aimé depuis son enfance va nous montrer son amour, va nous montrer son amour ici. Vous serez même surpris parce que vous allez le voir. Mes frères et sœurs, si ça n'avait pas été filmé, vous penserez même que c'est de la blague que nous sommes en train de vous montrer, raconter des histoires. Ce que nous allons entendre ici, voir, ça va vous donner une idée sur comment même il faut adorer Dieu. Juste une idée, juste un aperçu. Regardez même ça. Comme vous le voyez, la fille elle est ici et elle a été reçue quelque part. Écoutez. Are you a wrestling fan? Is that what you're looking for? Yeah. Okay. Elle dit, en grandissant, j'étais déjà... J'ai grandi dans une région très, très rurale, Limpopo, en Afrique du Sud. Et il y avait une télévision dans mon village. Et nous avons pu regarder deux émissions de télévision. L'un était un drama local appelé Génération, Generations, et l'autre luttait. Oui, donc, si je n'étais pas passé par Shomajosi, j'aurais disparu par John Cena probablement. Là, elle nous disait que dans son enfance, elle regardait des choses, des émissions. Voilà. L'un était un peu bizarre. L'autre était une émission de lutte. Et elle regardait le catch. Et c'est pourquoi elle parle de ça. Et maintenant, regardez ça. C'est ce qu'elle a vécu dans son enfance qui va grandir avec elle. Et vous allez voir. Regardez déjà ce que ça donne. Dina, probablement. Elle dit, comme j'ai appris à l'époque, c'est déjà le nom de quelqu'un. Donc, je n'ai pas... Vous ne l'avez pas volé. J'aime ça. Et j'ai fait la chanson parce que c'est vraiment ça. Vous savez, parce que John Cena disait toujours, vous ne pouvez pas me voir, vous ne pouvez pas, est-ce que vous pouvez me voir, vous ne pouvez pas me regarder. So when we used to play wrestling, alors, quand on jouait à la lutte avec mes cousins, with my cousins, I used to pretend to be... je faisais semblant d'être John Cena. John Cena? Oh my gosh, I love you. Oh mon Dieu, je t'aime. I just pictured you, like,
Je viens de vous imaginer âgé de 8 ans. Là, c'est la femme qui parle. Juste comme le donner à eux. J'aime ça. Je suis juste comme tu ne peux pas me voir, tu sais. You can see me. Peux-tu me voir? Et alors, oui. Alors récemment, j'ai eu ce garçon. Et alors, voilà. J'ai eu ce garçon que j'aime vraiment. Et puis, il n'a tout simplement pas. Il n'a tout simplement pas remarqué moi. Donc, j'étais comme, man, ce gars ne peut pas me voir peut-être. Elle s'est dit que cette personne ne peut pas la voir. Bon, elle ne s'imaginait pas que sa star pourrait peut-être la regarder parce qu'il y a un truc qui s'est passé après. Bon, vous allez voir. Mais si j'étais comme... Voilà, John Cena. Pas, je suis John Cena. Oh, oh mon Dieu. That's amazing. Yeah. C'est incroyable. Donc les deux sont en train de parler de sa star, comment elle a rencontré la star, qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les dimensions en détail, tout et tout, tout et tout. Elle dit, alors, avez-vous déjà eu l'occasion de le rencontrer? Elle dit, qui? John Cena. Oh non, bien sûr que non. Parlons encore. J'espère le rencontrer un jour. Elle dit, j'espère le rencontrer un jour. Ah, là, ça devient un truc d'enfance qui va maintenant devenir réalité. Là où elle est assise, là, elle n'a pas idée de ce qui va se passer. Mais elle, dans son coin, elle ne fait que chanter le nom de cette star. Ah, c'est comme vous. Vous chantez toujours le nom de Dieu, vous priez et vous espérez quelque chose venant de Dieu. Est-ce que Dieu va se souvenir un jour de vous? Bon, on ne sait plus loin pour en savoir plus. Regardez même ce qui va se passer ici. Elle dit, j'espère le rencontrer un jour. Allez, à ce sujet aussi, quand il a découvert... À ce sujet, voilà. Je ne sais pas s'il poste pour lui-même. Parce qu'elle a vu sa photo sur le compte Instagram de ses stars. Moi, mais sa page, il a mis la photo de moi là-bas. Voilà, comme vous le voyez ici, sa page Instagram, ses stars-là, a posté la photo de cette fille. Parce qu'un jour, sans doute, il a vu des gens danser sur le son de cette fille qui contenait son nom, tout et tout. Les gens faisaient des challenges. Et elle se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment cette femme qui a posté la photo? Elle ne sait pas, elle n'est pas tellement sûre. Puisque cette femme a posté la photo sans l'identifier, ni un message à côté. Donc elle se dit que bon, c'est juste une photo comme ça. Bon, un petit peu loin. Et ici, elle nous dit, mais sa page, il a mis la photo de moi là-bas. Comme vous le voyez. Il ne dit rien, il ne légende pas. Il ne me tague pas, rien. Maintenant, elle a dit, il est parce que tu ne peux pas le voir. Mais je l'aime. Je ne sais pas quand je ne... C'est pas ce qui va arriver. Parce que si je le vois, je vais paniquer. Ah! Elle dit, c'est pas ce qui va arriver. Parce que si elle voit ces stars-là de ses propres yeux comme ça, elle pense qu'elle va paniquer. Un humain qui va voir un autre humain, il va paniquer. Ah! Pourquoi? Parce qu'elle l'aime trop. Ou parce qu'elle respecte beaucoup ses stars. Mais frère, c'est quand on aime Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Et ça elle l'aime tellement qu'elle pense que, même sans que cette personne lui demande d'avoir la crainte d'elle, elle pense qu'elle va paniquer un peu. Elle sera, ouh, ah, c'est vraiment incroyable quand même. Regardez ça. You're gonna die? I love.
Je l'aime beaucoup, oui. All right, well, it's the first season. He's not here. D'accord, c'est notre première saison. Il n'est pas là. Là, elle dit que cette star n'est pas là. Elle voulait peut-être lui montrer la star ou veiller à une rencontre. Mais que va-t-il se passer? Wait, that was not. Nous avons un petit budget, mais. Mais il regarde probablement. Elle dit que c'est vrai, c'est notre première saison. Cette star n'est pas là, tu sais. On n'a pas assez d'argent, on a un petit budget. Voilà. Donc, on n'a pas peut-être pu l'inviter. Et tu sais, comme nous faisons des films, cette vidéo, peut-être que cette star, elle regarde ou elle va regarder ce que nous sommes en train de faire. Donc, est-ce que tu as fait un truc juste pour que cette star-là, peut-être en passant, puisse regarder ce que tu vas faire et puisse juste être peut-être contente de ce que tu as fait? Que va-t-il se passer? Maintenant, regardez ça. Elle dit, mais attends, dis qu'il la regarde et qu'il va aimer He's watching and he's gonna love this moment and I want ce moment. Et je veux que vous interprétiez la chanson. Elle demande à ce qu'elle interprète la chanson. you to perform this song, will you? Vas-tu? Elle dit, oh Oh yeah. oui. Elle dit avec joie. Vous voyez, imaginez si cette star était Dieu et qu'une personne qui aime Dieu ou qui est très fan de Dieu se comporte ainsi. Comment Dieu va-t-il pas bénir la personne? Moi, mais je pense que ça, c'est juste un exemple à suivre. Mais il faut qu'on remplace cette star-là par Dieu, notre Créateur, par l'amour que nous devons aimer, avoir pour Dieu et l'amour pour la parole de Dieu. Maintenant, regardez ça. Elle dit oui, je veux chanter. See, Vous he's voyez? watching and he's gonna love this moment. And I want you to perform the song, will you? Oh, yeah. Elle dit, oh yeah, oh oui. Si regarde cette émission, probablement il pourrait aimer la chanson, tout ça. Elle dit, oh oui, je suis prêt à chanter, ok, jouons. Elle va maintenant partir, aller sur scène. Et regardez, vous allez voir avec quelle joie elle va aller sur scène. Regardez déjà, regardez bien ça. Et vous allez voir de fou même ce qui va se passer. Elle est en train de chanter juste pour sa star. On parle de louer Dieu chez nous, n'est-ce pas? On parle d'adorer Dieu. Et regardez, elle est en train de chanter le nom de quelqu'un. Elle chante son bonheur, elle raconte du bien de lui. Il est comme ça, il est ceci, personne n'est comme lui. Regardez même ici. Waouh, regardez. Regardez comment elle chante sa star. Et elle s'imagine pas ce qui se passe derrière. Et voici une surprise hors du commun. Sa star va venir là. Ouh, et regardez comment elle est dépassée. Une surprise totale. Regardez, regardez, regardez. Ah. Elle dit, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il est là? Regardez. Oh, elle a vu sa star. Regardez. Et voilà. Mes frères et sœurs, c'est incroyable, c'est hors du commun. Mais ça, c'est une démonstration de l'amour qu'on a pour quelqu'un. L'amour qu'on a pour Dieu doit même dépasser ça. Et si on aime vraiment Dieu, on aime vraiment Dieu, il faut aimer la parole de Dieu. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ah, nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. Mais il faut chanter pour honorer Dieu, pour dire que Dieu est comme ça. Dieu est comme ceci, Dieu est parfait, il est extraordinaire. Dieu, tu sais, Dieu. Tu es hors du commun, un peu comme ce qui vient de se passer. Moi, parce que ça, c'est juste un exemple. C'est tout un film, mais ça m'a tellement touché que je me suis dit, mais que nous devons encore bosser, travailler Dieu sur le sujet, sur comment nous devons louer Dieu. Regardez comment les humains, des gens qui sont fans de quelqu'un, regardez comment ces personnes démontrent autant d'amour, beaucoup d'amour. Waouh! Regardez.
C'est comme si elle venait de voir Dieu lui-même. So, what do you want to say to Sho? She loves you. Et elle va parler, elle va dire, ah, tu sais, elle t'aime beaucoup. Et cette femme maintenant dit, tout d'abord, merci pour les bons mots. Vous voyez, tout d'abord, merci pour les bons mots. Faut parler bien, faut parler de Dieu, faut dire dans ta chanson quand tu chantes, tu loues Dieu le matin. Dis à Dieu vraiment, tu es extraordinaire. Prends de bons mots, honore Dieu, quoi. Il faut même louer Dieu sérieusement. Ah, ah, ah. Regardez-vous même encore. C'est-à-dire, tout d'abord, merci pour les bons mots. Alors que je me cachais là-bas, je me cachais tout le temps. Je me poste et je ne légende rien. Je poste et je ne légende rien. Parce que je ne veux pas que les spectateurs du compte, je veux qu'ils enlèvent ce qu'ils peuvent. Et les gens trouvent leurs inspirations dans votre chanson. Et ça veut dire que cette star, elle est comme adorée. Vous voyez? Et elle voit tout ce qui se passe. Ça veut dire que quand on adore Dieu aussi voit tout ce qu'on fait. Et il se dit, il s'imagine, il se pose des questions sur comment est-ce qu'il va faire pour gérer notre cas, pour se rapprocher encore plus de nous. Et c'est ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posté une photo de cette fille pour que les gens juste peut-être regardent et fassent leur appréciation de la chose sans rien dire, pour que les gens puissent eux-mêmes en juger de ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites que vous adorez Dieu, que vous aimez Dieu et que vous êtes avec Dieu, ça va se démontrer, ça va se savoir dans vos actions, dans vos œuvres, tout et tout. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vos œuvres même peuvent parler à votre place et les gens vont dire, ah, il y a un truc, il y a quelque chose qui a changé. Regardez un peu plus. Il y a beaucoup d'enseignements dans cette affaire-là. Écoutons encore. Et, il dit, elle expliqua très franchement mais sa chanson. Là, c'est ça, pas de la chanson en question qui parle d'elle. She explained it very candidly, but her song is about, essentially about... Elle dit, est à propos essentiellement sur le cœur brisé, non? Heartbreak, right? Yeah. But it's really cool. Yeah, because... anyway, ouais, bon. Mais c'est vraiment cool parce que c'est une chanson très énergétique. It's a high energy song. Très énergique. And you... Et vous pouvez prendre quelque chose de négatif dans votre vie. You could take something negative in your life. Yeah. And express it. Et l'exprimer de façon créative. Et vous avez littéralement vous avez littéralement atteint un public de le monde entier. Around the world. My God. Super. Je pense que c'est super super responsabilisant. Super important. And super important. Et super super influent. Maintenant la femme dit, mais ah, tu parles bien d'elle, hein? Mais non, c'est la vérité, nous y sommes. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé même dans la parole de Dieu? C'est la même chose, il n'y a même pas de différence même entre Dieu même et nous. Ah, je pense que Dieu même a même le même cœur même que nous. Lui, son cœur, c'est un bon cœur. C'est ça, il était de bien parler comme ça de la fille. Dieu parlait bien de Job, lisez Job. Dieu disait à Satan, tu sais, Job, c'est un bon gars, c'est mon fils, il me représente bien sur la terre. Ce gars-là, il est propre. Satan va dire, non, tu sais, pourquoi tu parles bien de lui? C'est parce que tu lui as tout donné. Dieu dit, si tu veux en faire un essai. Ce que j'ai vu, ça a réveillé beaucoup de choses en moi et que j'aimerais vraiment partager avec vous. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de comprendre? Essayez de comprendre ici. Ou en train de voir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. C'est parti. À Los Angeles, elle vient d'Afrique du Sud. She's from South Africa. Géographiquement, à travers le monde. Graphically, around the world. Géographiquement, à travers le monde.
Et vous avez réussi à créer un défi de danse. You managed to create a dance challenge in my name. Et vous avez réussi à créer un défi de danse en mon nom. Et nous avons vu que je ne peux pas danser. Lui, il ne sait pas danser, mais elle a créé un défi de danse en son nom. Ah! Au nom de Jésus-Christ, nous serons sauvés. Nous devons honorer le nom de Dieu, n'est-ce pas? Et ça m'étonne. Au nom de cette star, elle a créé une chanson. Il y a même un défi de danse. Et tout le monde danse la chanson, danse la danse là. Chacun il fait son challenge. Et chacun danse comme ça. Ah, si cette star là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'inspire. Tous ceux qui vont danser la danse, qui vont me chanter la chanson, vont honorer Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui l'inspire, qui est avec cette star. Mais si c'est le diable, c'est là même le danger va venir. Parce que les gens seront tous en train de danser. Le diable honorer le diable. C'est pourquoi nous devons choisir ce qu'on fait. Et nous devons honorer Dieu de tout ce que nous faisons. C'est une parenthèse. Mais vous comprenez que ça va même plus loin. Quand les gens aiment quelqu'un, je suis tout au travers de la chanson. Ces personnes laissent entrer et passer tout en eux, en elles. Et ça, c'est bien réel. Regardez même si, vous voyez, comme c'est ta vérité, elle a réussi à créer un défi challenge au nom de cette star, or elle-même la star, elle ne sait même pas comment danser la danse. Wow! Nous venons de voir cela. Just so. Well, wait, you used to... Mais attends, tu avais l'habitude de rapper. Wait, tu as fait le possible. Yeah, he used to rap. Oui, d'ailleurs, il a dit que mais lui-même c'était un rappeur à la base. Il dit oui, tu avais le rap, tu rap. Voudrais-tu faire une chanson avec Show? Là, elle pose la question à ses stars. Est-ce que tu voudrais-tu faire une chanson avec elle? Parce que toi-même tu es dans le rap aussi. Je dis ça comme ça. J'ai encore. J'ai 42 ans, je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. C'est ce qui le rendrait génial. For you, yes. Mais pour vous, oui. Là, c'est ça dit qu'elle a 42 ans, je ne sais pas si elle a toujours le potentiel, mais pour la fille, elle est prête à tout, même s'il faut le faire. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour nous. Si nous, on adore Dieu vraiment, sérieusement, comme il se doit. Si on parle bien de son nom, on fait ses éloges, on dit son nom, tu sais, Dieu, tu es génial ici. Bon, là, c'est plus vrai, vous allez voir. Waouh! Ali, tu es la meilleure. Je ne peux pas y croire. This is the real one. It's not a fake. Là, la fille, elle pose la question, mais est-ce que c'est le vrai John Cena? Lui, il s'est dit, c'est le vrai. Ce n'est pas un faux. Hein? Alors, c'est bizarre, non? C'est John Cena. Est-ce le vrai John Cena? La fille, même, elle est tellement dépassée. Elle dit, mais est-ce que c'est le vrai John Cena qui est là? Est-ce que c'est vraiment peut-être Dieu qui est là? Parce qu'elle est dépassée, surtout, je ne peux pas imaginer être un enfant. Je peux imaginer réellement. Tu es un enfant et tu grandis en aimant ces gens. Et vous les idolâtres. Vous allez les idolâtrer et ils vous changent, tu sais. Ils ont eu un tel impact sur vous. Et c'est génial de pouvoir les rencontrer dans la vraie vie. Plus tard, c'est la chose la plus cool. Vous plaisantez, j'espère. C'est entendre cette chanson. Donc, je suis dans la WWE depuis longtemps, presque 20 ans. Et vous oubliez l'impact que vous avez sur les gens. Et
En entendant cette chanson, that song, I'm like, comme tu es cool. You're cool. I'm not. Je ne suis pas. So something like non, that. Non. Donc, entendre quelque chose comme ce genre de... That makes me half cool again. Mais ça me rend à moitié cool à nouveau, ce qui est la meilleure chose qui soit. Vous comprenez? Best thing ever. Like, really, I'm... Comme vraiment. Je suis tellement excité de savoir que... So very excited to know that... Que essentiellement de ce que j'ai fait a eu un impact sur les gens. You know, essentially what I did had an impact on people around the world. Dans le monde entier, c'est aussi vraiment cool. It's also really cool. Tu es tellement incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire à John? Maintenant, il est juste devant vous. Là, la femme parle à la fille. Oui, nous y sommes. Personne ne peut te voir avant tout. Personne ne peut... Qui es-tu assis, à côté? Bon. Sur le canapé. L'ensemble du public est comme... est vraiment excité. À propos de cet espace vide. Tout le monde rit. Oui, c'est un truc de la WWE. Tu dois... tu vois de quoi je parle. Je pense que tu es le plus cool de tous les gens. Et le fait que lui dit des bons mots, je pense que tu es le plus cool de tous les gens. De toutes les personnes sur la terre, c'est le plus cool, quoi. Est-ce qu'on a pu dire un truc de ce genre? Du genre, mon Dieu, tu es le plus cool de tout ce que l'on peut voir sur la terre. Tu es généralisé. Souvent, Dieu fait de grandes choses pour nous. Dieu fait un miracle pour nous. Et on n'a même pas eu l'opportunité mais d'ouvrir la bouche et dire pour moi, Seigneur, t'es extraordinaire. Mon frère, si Dieu fait quelque chose de grand pour toi, inspire-toi de tout ce que nous sommes en train de te couvrir ici et parle bien de Dieu. Fais un témoignage et dis à Dieu vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout quoi. Ah! Bon, on est un peu loin. Wow, that's it. Là, il dit que je pense que tu es... le plus cool de tous les temps. Coolest ever. Like, I would have gone by John Cena. Mais si, par exemple, je serais passé par John Cena. Sinon, si vous n'étiez pas déjà John Cena. You weren't already John Cena. Here's the thing. It's not... voilà le truc. Ce n'est pas vraiment mon nom. It's not really my name. My dad's... Mon père s'appelle John Cena. Name is John Cena. So no way! Ah, il s'est dit que son père s'appelle John Cena. C'est comme Jésus disait, il est en train de nous dire qu'il a un père qui est dans les cieux. Et nous devons suivre sa parole. Ça m'étonne. Ah. Donc, j'ai dit que si vous étiez, si vous voulez l'emprunter, il y a des jambes. Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas ton vrai nom? Is my real name. Eh bien, c'est mon vrai nom, mais ce n'est pas mon nom. It's not my name, it's my dad's name. Le nom, c'est plutôt le nom de mon père. Parce que le nom de mon père est aussi John Cena. Alors, it's also John Cena. Alors je pensais que tu le disais peut-être. At family functions, we have to... Était votre deuxième nom. Fight to the death. Aux réunions de famille, nous devons nous battre à mort. Juste pour voir qui porte le nom de la soirée. Il a le même nom que son père. Et les gens chantent son nom sans savoir que son père aussi s'appelle comme lui. Il adore le même nom. Sérieux, ça c'est étonnant. On dit que Jésus-Christ et son père forment une seule personne, non? Et les gens sont en discuter. Ah! On dit Jésus est Dieu, non! Jésus n'est pas Dieu! Ah! Les gens même oublient l'essentiel. Nous devons adorer Dieu en esprit
Et en vérité, et la fille là, elle te montre en vrai comment ça se passe cette affaire de Dieu là. Regardez comment elle est même joviale. On nous dit chez nous, quand tu viens donner nos frères à Dieu, il faut être content. Il faut être contente, ma soeur, il faut être content, mon frère. Voici la joie que tu dois démontrer quand tu veux donner quelque chose à Dieu. C'est comme ça que tu dois démontrer cette joie-là. Vous voyez, avec joie, il faut sentir que tu aimes Dieu. Ce n'est pas dans les mots, ça se vit. Regardez. Ah, j'ai tout de suite aimé la fille parce qu'elle dégage beaucoup d'énergie. Non, mais yeah, go ahead. Non, mais oui, allez-y. Ne vous en tenez pas. No, you stick with Show Josie. Alors, Show Ma Josie, c'est le nom de la fille. Everyone. Tout le monde connaît Show Ma Josie. Around the world knows Show Ma Josie. It's infectious. C'est contagieux, c'est contagieux. En tout cas, elle fait le buzz en ce moment. Mes frères et sœurs, c'est une chose très intéressante que nous avons envie de partager avec vous. Vous avez vu comment nous avons découvert des choses importantes sur l'adoration à Dieu, c'est-à-dire comment il faut adorer Dieu. Ah, moi quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est extraordinaire. Il n'y a rien à dire. La fille, elle dégage beaucoup d'énergie. Et elle dit de bons mots à la personne qu'elle aime. Et elle a transformé en chanson. Jusqu'à tout le monde danse ça. Sans même que cette dame sache même danser même la danse. Quand on prie, on demande à Dieu de nous bénir, de faire beaucoup de choses pour nous. Mais il faut quand même qu'on ait l'occasion de faire les éloges grand Dieu. De lui dire de bons mots pour que Dieu lui-même soit honoré et content de nous. Vous voyez, chanter le nom de Dieu et transformer, faire des pas de danse. Nous devons aussi créer des concerts, des pas de danse pour que les gens puissent danser. Quand tu vois la danse, tu te dis, ah, cette danse, c'est une danse pour les chrétiens. Ou pour adorer Dieu, et tout le monde danse et on honore Dieu comme ça. Mais là encore, il faut que Dieu lui-même nous inspire parce que son inspiration est extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez que nous avons bien fait de vous faire cette vidéo, cliquez tout sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Nous avons trois autres chaînes aussi. Yann Soubonne, Yann Soubonne 3 et Yann Steve. Clique sur Yann Soubonne, voici la page d'accueil et abonne-toi sur les trois autres chaînes. Waouh! C'est extraordinaire. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. C'est parti.